Ouais, yo les gens, c'est Mantrius, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warface. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait des gameplays comme ça, mais c'est reparti, là je suis remotivé. Je sais pas ce qui m'arrive, d'un coup là, j'ai envie de péter les plombs. En espérant que ça se passe bien, parce que bon, on sait bien comment c'est sur Warface. Mais bon, on est parti avec du coup la carcom normale, hein, pas la Neon Punk ni la SMG. Avec le petit camouflage désert, donc du coup, sur Old Depot, enfin sur un petit escarmouche Old Depot. Là j'ai l'écran devant moi, vous l'avez pas, mais c'est comme ça, c'est pour changer, tu vois. Et puis, bah allez, c'est parti, let's go les gars. Hop, bon du coup, hop, on finit le chargement, et let's go, dude! Bon, en plus, vous avez remarqué que j'essaye de faire les vidéos un peu plus propres, hein. Là, justement, je préfère, tu vois, c'est aussi ça qui m'avait un peu démotivé, enfin démotivé, c'est de faire des vidéos où je suis pas satisfait de moi, et là, bon, on verra bien le gameplay comment il sera, mais bon, le gameplay, il sera comme il sera, mais bon, la vidéo sera un petit peu plus propre, sachant que j'ai changé un petit peu de... Ok, d'accord. J'ai changé un petit peu de façon de faire. Par contre, je vais baisser un tout petit peu le son pour moi. Parce que bon, c'est pas que c'est un peu fort, mais c'est un petit peu fort. En plus, le petit camouflage désert, il va plutôt bien. Il va plutôt bien. Ok, je me suis pris un. Je sais pas comment je suis mort, mais à mon avis, le mec, il a pas dû faire exprès. Bon, ça commence pas très bien pour ma gueule, hein. On va essayer de faire mieux, on va essayer de faire mieux. Ok, d'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Faut que j'arrive à mieux faire. Bon, du coup, je vais quand même vous la montrer. Franchement, elle est pas dégueu, hein. Pour une arme, une vieille arme désert, là. Oh, bah, c'est... C'était pas si dégueu que si c'était moins pire. Hein. J'ai essayé de m'appliquer pour mettre la wound tap. Bon, ouais, c'était un wound tap sans mettre un wound tap, mais c'était un wound tap quand même. J'ai vraiment pas de chance. J'ai vraiment pas de chance. En plus, je joue pas. Enfin, pas que je joue pas souvent, mais on va dire que j'ai joué un petit peu moins ces derniers temps. Faut que je me remette un petit peu les moves. Je suis pas fluide. Ok, d'accord. Je crois que j'ai vraiment pas de réflexe en ce moment, moi, sur les jeux vidéo, mais sur n'importe lesquels en plus, hein. Y a pas genre juste Warface ou quoi où j'ai pas de réflexe. J'ai vraiment l'impression d'être lent des fois. Et je peux pas le tuer lui, hein. Pourtant, si, il ping rouge, ah d'accord. Je comprends peut-être mieux pourquoi j'ai du mal à capter ses moves et tout, que c'est trop bizarre. Ok, pas de soucis. Nostalgique, mon gars. Ça, c'est du pseudo. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Putain, la normale, elle fait pas de dégâts, mon gars. Je mets un tout petit hit dans le haut du corps. Et puis, t'as l'autre sniper, forcément. Lui, il a pas bougé, hein. Il m'a tué tout à l'heure. Hein. J'arrive à être premier avec une partie comme ça, moi. Ouais, j'arrive pas à le tuer. J'arrive pas à le tuer, le système. Dieu. On va essayer d'avancer cette fois, on peut avancer un peu. Merde, dommage, 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 c'était propre. Deux petites têtes, on essaye de s'appliquer. Attends, je vais peut-être essayer de mettre ce bizarre là. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai essayé de mettre la tête dès le début, j'ai loupé. De toute façon, t'as pas trop le choix. Bon, je me suis focal sur celui du haut, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû, mais j'aimerais bien les décamper, les mecs qui sont dans les tops comme ça là. J'ai arrêté de tirer. Tellement j'étais sûr de tirer dans sa tête, j'ai arrêté. On en fera peut-être une deuxième, une game après. Merde, je crois qu'il l'avait pas tué. J'en ai marre de prendre des greux. What? Ah, mais des rollbacks. Bon, bah, on est sur Warface après tout. Eh, c'est pas possible, hein. Et Twi, là, nom de Dieu. Eh, tu vois, il a un épi de maïs dans son insigne. Je peux t'assurer que ça confirme bien que c'est un épi de maïs, hein. Il bouge pas. Le mec a posé sa toile de tente dans son.
J'essaye de m'appliquer, bordel de merde, mais avec toutes les fumées, on voit que dalle. Et lui, un mec là-haut, je parie. Et voilà, il y avait bien un mec là-haut, il y avait bien un mec là-haut. Mais forcément, au moment où moi j'y vais, ben il est pas là, et d'un coup. Bon, j'ai galéré. Non, je vais pas aller là. Non! J'ai vraiment un timing de fils de puterie. Ok, lui, t'as vu son pseudo? 9 millions 1. Je sais pas si c'est 9 millions, mais en tout cas, il va venir par là. Voilà, je m'en doutais, lui, qu'il allait venir nostalgique. J'aimerais bien pouvoir avancer un peu plus que le mid, par contre. Genre, vraiment plus. Ah, dommage. J'essaye, hein. J'essaye vraiment. Mais ça va être compliqué de la gagner. On va changer le viseur. J'essaye de vous montrer un peu tous les viseurs. Hein. Ça, c'est comme une petite review d'armes. Une review de la Carcom. Quoi. Non, bah, je vais mourir encore une fois. Stop d'envoyer des grenades partout, s'il vous plaît. Un petit peu de respect. Je sais pas. Lui, c'est pareil, non? Pourtant, il a 3 barres. J'ai vraiment l'impression de tirer... Bon, je vais peut-être tirer un peu à côté, mais... J'ai vraiment l'impression de tirer des myrtilles. J'ai vraiment pas de chance, putain. Il y a des grenades partout dans cette map. Bon, en même temps, c'est un petit peu au dépôt, mais bon. Des fois, je me dis que les gens, ils pourraient peut-être se dire non. Ils pourraient peut-être se dire non, on va peut-être pas trop lancer de grenades, mais ça c'est impossible. Les gens, ils y arriveront jamais, ça. Ah dommage. Putain, il y aurait presque pu avoir la collat headshot là. Mais j'ai déjà pas tiré dans la tête. Moi aussi je vais lancer une grenade. Alors j'ai fait des hits. Putain, je vais te fumer, hein. Je m'en bats les couilles au bout d'un moment. Bah voilà, il se bloque mais il avance quand même. Tu sens que lui il est pas... C'est pas net sa connexion. Ah dommage. Putain, ça me gratte le pif. Bon, je pense que si ça reste sur cette game, on va s'en faire une deuxième. D'ailleurs je vote All Depot direct. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de gameplay, donc on va rester un petit peu sur du gameplay cool. Hein, à la cool, tranquille. Là c'était un petit gameplay, parce que je sais pas pourquoi j'ai regardé ça dans mon truc là, les comment ça s'appelle, l'Absolute Power, là c'est là où j'ai eu le skin là machin, je sais pas, tout à l'heure je regardais comme ça, puis il était dans mon inventaire, j'ai dit vas-y pourquoi pas en faire une petite vidéo vite fait, et puis là je pense qu'on va partir sur du, au pire on resterait peut-être sur du désert, mais qu'est-ce que j'ai en arme désert? Ah, bah tiens on va parler de ça les gars, pardon. Bon bref, au pire, vous allez le savoir tout de suite. Je vous reprends pour la prochaine game. Hop, re les gars. Bon du coup, on est reparti pour la deuxième game. Du coup, qu'est-ce que j'ai pris en arme désert? Parce que du coup, on est dans le thème des armes désert. J'ai pris la Exar PDW avec le skin désert. Et en plus, je sais pas si vous avez entendu parler que la Exar PDW, en tout cas chez les Russes, hein, par rapport aux vidéos de LS, je sais pas comment on prononce en russe, hein, je suis pas un putain de Ruskov, mais elle va être buff, donc là elle est à 730 si je me trompe pas de CPM, et elle va être à 770, et je sais pas trop, j'ai pas, en tout cas sur les stats j'ai pas vu quelque chose de différent sinon, mais en tout cas elle va être à 770 de CPM, donc 42 CPM en plus, ça peut être pas mal, ça peut la remettre peut-être pas dans la course des SMG de ouf. Mais on va dire que s'il ne change pas du tout le recul de cette arme avec 42 CPM en plus, ça peut donner quelque chose de très 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 correct. Hein. Je pense qu'elle repasserait au-dessus de l'Oni Badger. Eh ouais. Parce que tu mets 770 de CPM avec la précision qu'elle a, la poignée qui recharge plus vite. Parce que c'est celle-là, la petite poignée là. Hop.
Plus bah, le fait qu'il a fait quand même 80 de dégâts. Faut se rappeler les gars qu'il a fait 80 de dégâts. Et bah mine de rien. Ça peut être pas mal. Donc à voir. On attendra de savoir s'ils le font sur le EU. Le serveur EU. Mais bon en général ils le font sur n'importe quel serveur. On va faire la pute. Oh ok. Dommage, dommage. Putain, mais en plus j'ai toujours kiffé la PDW. C'est vrai que je joue rarement avec. Ou alors pour qui, pourquoi, je sais pas. Mais bah pourquoi je sais pas. Si on sait tous c'est que c'est pas les armes ESL. Donc forcément bah, on essaye de jouer avec des armes où on joue en cup. Bon même si j'avoue que je joue plus trop en cup ces derniers temps. Mais on va recharger hein. On va remettre de la rue. Bon bah, c'est pas grave, j'ai quand même un kill. Putain, j'avais pas fait gaffe à ma mine, j'avais complètement zappé que j'avais posé ma putain de mine ici. Dommage, hein, c'est pas grave. Ok, j'ai pris un GL. Par contre, c'est quoi ce bordel? D'un coup, il y avait du monde et... Alors, soit je suis dans la team là, vraiment, on est en train de l'érect, vraiment. Viens, regarde ça. Regarde, tu sais comment je fais, moi, pour gêner les cheaters? Pas les cheaters, les campeurs. Je mets des fumis devant les yeux. J'arrive pas à le tuer lui non plus hein. Et pourquoi tout le monde se casse en face sérieusement? Il y a un moment c'est du hold dépôt. Il y a 23-23, j'ai l'impression les mecs tu sais ils lèvent parce que parce qu'ils perdent. Mais merde, il y a personne qui perd hein. Je galère hein. Les gars arrêtez de monter dans les putains de top et de rester allongé mon dieu. Ok je l'ai pas vu en fait lui. J'ai pas compris, j'ai vu un cadavre tomber et en même temps il a décalé du coup. Bon ça va, c'est... Il y a du monde. Par contre j'ai l'impression que ça avance pas, hein, c'est vraiment... Est-ce que vous... Enfin non. Non, mais je... qu'est-ce que tu veux dire? Alors, moi aussi on va en envoyer des grenades, ça va, c'est bon. Ah, il y a toujours lui. Lui, il me met du 4-1. Il m'emmerde. Hein. C'est vrai que faudrait que je vous fasse un petit gameplay, un de ces 4 avec la Radek. Je sais pas comment faire. Il est vraiment trop fort. Il est vraiment trop fort. Il me sodomise à chaque fois, lui. Vraiment. Il fait du 18-11. Je sais pas comment il fait, mais il est trop chaud. Vas-y, montre-toi, je sais qu'il y a un mec là, il y a forcément un mec là. Ouah, il y avait trop de monde là. Oh, je galère avec l'arme, je suis pas bien, je suis pas à l'aise, je me sens pas à l'aise avec cette arme, tu vois. Là, je sais pas ce qui se passe, mais... Écoute. Bon, par contre, ça reste une SMG, hein, une entrée, tu te calmes. Non mais, hey, ça tu vas pas me dire que le mec il doit pas mourir là-dessus. C'est du grand n'importe quoi ce qu'il m'a mis. C'est la RX quoi. La RX, tu randomises et tu mets des trucs. Vraiment, je sais pas. Il y a des games, tu vois, ça veut pas. Mais bon, écoute. J'ai décidé de plus m'énerver. Je peux rien faire. J'arrive pas à me déplacer sur ce jeu depuis quelques temps là. Je me sens pas fluide. Et puis stop les nades, stop. Tiens, on va ramasser ça. Mais j'ai pas de chance, pourquoi y'a que cette balle dans l'arme quand je la ramasse moi? Mon dieu de merde. Oui je sais, je balance mon viseur chelou là, mais parce que j'ai du mal à me déplacer là. Ok putain j'ai pas de chance, je peux pas faire le tour. Les gens ils avancent pas putain. C'est les pires. Mais est-ce que tu es sérieux là, Ken machin truc là? Est-ce que t'as, je t'ai fait quelque chose? Rappelez de la bête noire.
Bah là on y est là sur la bête noire. Bon, dommage, dommage, j'avoue que là j'ai... Je sais pas ce que j'ai fait, j'ai sauté dans le tas et au final ça a été plutôt payant en fait, faut rentrer dans le tas comme un trisomique. Par là. Ça y est, j'ai commencé à me débloquer le trou de balle là. Ok, d'accord, je croyais que c'était lui qui m'avait tué. J'aurais pété un plomb là, je crois que j'aurais fait voler la souris. Ouais, c'est un peu mieux, c'est un peu mieux, je me débrouille mieux. Vas-y, tu sais quoi, on va tester aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Avant, je mettais le silencieux à l'époque où elle était. Où elle était OP. Oula, par contre, attends, j'ai un peu trop mal là. Je peux pas avancer, à chaque fois j'ai plus de life. Non, le noscope est pourri. Le noscope est pourri, preuve à l'appui. j'ai essayé. J'ai tellement l'habitude de Iron Set maintenant que bah, du coup le noscope, j'ai oublié que c'était pas ça. Hein. Il y a une smoke devant lui normalement. Bon d'accord, oh, comme d'habitude. On est sur Warface. On est sur Warface. Ah merde, je l'ai vu en plus, mais je pensais qu'il allait regarder de l'autre côté ce bâtard. Vas-y, poussez-vous là, je veux faire 4 kills de plus, ce serait bien. Dommage, j'ai enchaîné deux têtes. Forcément, c'est un sniper. Regarde ça, les mecs, regarde ça là-bas, regarde ça. Wow, pourquoi j'ai eu 3 écrans là d'un coup là? What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? What the fuck, motherfucker? Merde, je l'ai vu en haut, putain, j'ai pas eu le temps de bien faire. Bon, je suis arrivé à faire quelques petites têtes là. Vas-y, vas-y, je veux encore du kill, je veux encore du kill, vas-y, ça dure pas assez longtemps là. Ah. Ok, d'accord. Putain, mais tu vas me dire que. Regarde, il y a eu un kill là, 2 kills. D'accord, ok, je comprenais pas, je voyais qu'il y avait 2 kills de fail, machin, il se mettait pas à jour le 150. Bon bref, je crois que c'est pas mal, là, je crois que c'est pas mal, je crois que c'est pas mal. Je sais pas combien j'ai fait de tête ni de kills. 32 kills. 32 kills, 25 morts. Ouais, pas top. Pas top, pas top, mais au début j'étais vraiment mal parti. J'étais vraiment pas bien. Donc bah, du coup, on va s'arrêter là, je pense, ce serait très bien. Bon du coup les gars, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était l'histoire de se remettre un petit peu dedans. Bah, du coup j'espère que ça vous aura plu, de petits gameplay. Bon n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez bah, du buff là, de la XRPDW. Enfin en tout cas, est-ce que vous en avez entendu parler et est-ce que vous pensez que ça peut être cool? Est-ce que ça peut leur donner un petit coup de jeune comme on dit? Et puis voilà, sinon bah, n'hésitez pas à commenter par rapport à la vidéo. Lâchez le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir les gars. Et puis bah, les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Mantrius. Ciao.